Salut tout le monde, c'est Megafonta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Plants vs Zombies Battle for Neighborville, consacrée à un tout nouveau mode de jeu temporaire, vitesse et précision. Un mode plutôt simple du coup, avec un nombre restreint de zombies et de plantes, tout ça en conquête du gazon. Mais allez, pour avoir encore plus de détails, on va lire la vraie description officielle de ce mode de jeu. Zip, zap, zoup, déplacez-vous en équipe ou contournez votre adversaire rapidement. Cette semaine, la vitesse est à l'honneur dans à la conquête du gazon. Oh, au final, je préférais peut-être ma description, hein. Elle en disait plus, quoi, parce que là, bah, c'est très très vague. Donc, côté plante, nous avons donc la rose, pistopois et bonnet de nuit. Et côté zombie, on a Zumbugi, l'ingénieur, oh l'ingénieur, ça me fait peur, ainsi que le diablotin que j'ai actuellement, plutôt en mode diablotine là, hein, la princesse diablotine, c'est exactement ça. Donc ouais, c'est plutôt sympa du coup, les persos qu'on a, il n'y a pas vraiment, tu vois, de perso bourrin, avec, on va dire, des sacs à PV quoi, en gros, il n'y a pas de sportif, il n'y a pas de gueule de dragon. Bon, il y a l'ingénieur du coup, voilà, je suis pas sûr qu'on jouera avec, quoique ça reste à voir, mais je pense qu'on va quand même plus partir avec le diablotin. Mais non, j'aime bien la petite section de perso, donc j'ai déjà pu faire une petite partie rapide dans ce mode, donc on va en voir là davantage. Je pense que si on va côté plan, d'ailleurs je prendrai le pistopois, comme ça on profitera un peu du skin qu'on avait débloqué lors du festival précédent. Voilà, voilà. Et on perd pas de temps du coup, on se lance directement à la barre. On rappelle que soit partie déjà commencée ou non, ça, on s'en fout. On s'en fout complètement. Alors, sur quelle map va-t-on tomber, du coup, hein? J'aimerais bien tomber sur l'île piège à twist. Ah, vers pâturage. C'est bien, vers pâturage, ok, ça me convient très très bien. Mais après, j'aimerais bien l'île piège à twist, effectivement. Ce serait plutôt cool de tomber dessus durant cette vidéo. Ce ne serait pas désagréable. Donc ouais, plante, on prend pistopois, zombie, diablotin, diablotine. Et peut-être, si on tombe deux fois côté zombie, je prendrai l'ingénieur. Mais je promets rien. Ah, vous connaissez mon amour envers l'ingénieur, faut pas non plus pousser trop loin, quoi. Mais allez, ça peut se faire, hein. Priorité quand même au diablotin. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, déjà, tu vois, si on commence côté zombie pour cette première partie, il y a quand même des fortes chances qu'on se fasse après une autre partie côté zombie. C'est là en fait l'indicateur. Au pire, je vais essayer de toute façon de faire deux parties côté zombie. Hein. Si on est plante, essayer de switcher au pire. Ah bah, ok. Bon, bah, vers pâturage, on ne jouera pas dessus. Hein. Oh, le faux espoir. Bah, j'adore vers pâturage, ça me fait un peu chier là. Non. Oh, ce faux espoir. Je crois que ça m'est jamais arrivé en plus vraiment de rejoindre là une partie sans pouvoir même rentrer dedans. Là, on est directement atterri dans le podium. Ah ouais, la tristesse du truc quoi. Ah bah c'est... Putain, y'a que des bottes par contre. Wouah, y'a que des bottes. Ouais bah du coup, le début de la partie là, ça risque d'être assez tranquille vu que... What the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans l'écran Pop4 là, comme si le jeu se... Vous êtes déconnecté. Quoi? Mais je me suis même pas... Je me suis même pas pris une déco, c'est les serveurs qui se sont déco. Eh bah dis donc, cette vidéo commence très très bien. Ah bah allez, à tout de suite, parce que là... Il y a comme qui dirait quelques difficultés pour lancer ma première partie. Rien ne va. Au moins, pour une fois, il faut le noter. Hein. Ça venait pas de Mako. Clairement pas. Bon, bah du coup, on est sur Arpent Boisé. Là, imagine, ça recommence. Mais pas forcément en mode bug, mais en mode j'arrive, c'est fin de partie. Bleh. Ok, bah on est côté zombie. Ah, ça veut tout dire. Hein. On va l'avoir notre game avec l'ingénieur, hein, je crois bien. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et on arrive en plus en tout début de partie. Ok, bah nice ça. C'est quand même mieux d'arriver en début de partie. C'est vrai que en toute fin... Et quand je dis en toute fin, le podium quoi, hein. Ouais, clin d'œil, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah, on y va, du coup, on est en attaque. Par conséquent. Oh là, pistopois. Y a-t-il pas mal de bots ou pas? Ça, c'est important de le regarder. Il y en a quelques-uns. Une bonne petite moitié, je pense, là. Sur tous les joueurs, il y a une bonne petite moitié de bots, effectivement. Oh, allez, hop, ça passe. Bonne nuit, t'es dans la sauce, quoi. Il est saucé. En plus, on est le pistopois. Ah bah, je suis mort aussi, hein. Ouais bah ok, il était en mode tourelle, j'avais pas vu aussi. C'est sûr que là il m'a dézingué en 2-2 hein. Ouais, on a quand même enchaîné 3 petites éliminations, parce que je pense... J'ai eu l'assist au moins pour l'autre. Ouais, je l'ai eu l'assist pour le pistopois. Ouais, heureusement, vu tous les dégâts que je lui avais mis, il avait réussi à fuir là un peu in extremis. S'il avait vraiment réussi à m'échapper en termes d'élimination,
ça aurait été quand même un mauvais début de partie malgré la double avant, hein. Même avec la double, non, j'accepterai pas ça. Ok, nice. La princesse va faire chavirer vos cœurs. Êtes-vous prêts les plantes? Oh attends, là il en a tourelle, mais cette fois-ci, ça doit être le même en plus, le même petit au poids, il nous aura pas. Et ouais, j'aime vraiment bien là la sélection du coup de perso qu'ils ont pris. Je trouve que c'est plutôt... peut-être pas après si équilibré que ça quand j'y pense. Il y a quand même bon ennemi ouais, qui fait une bonne contrebalance côté, côté plante. Parce que côté zombie après, bon, Diablotin, pour moi ça reste un perso très correct, mais c'est pas non plus le meilleur perso tu vois côté zombie. Zumbugi c'est pareil. Bon l'ingénieur. Voilà, l'ingénieur, hein, vous savez ce que je pense de lui, hein, y a pas besoin d'en dire plus, mais ouais, ils ont peut-être quand même un peu l'ascendant les plantes du coup. Après ça c'est juste mon avis perso. Quand je vous dis là dans toutes mes dernières vidéos que les bots plantes sont meilleurs parfois que certains joueurs, vrais joueurs, regardez. Il nous a fumé alors que j'étais en attaque un peu spéciale avec mon. Avec mon diablotin. Il nous a quand même fumé le bot bon ennemi. C'est nimbe parfois, mais les bots vraiment sur ce jeu, waouh. Je crois que c'est le jeu vidéo. Parce que j'ai pas trop là une idée d'un autre jeu où c'est comme ça. Mais c'est vraiment le jeu vidéo où les bots en multijoueur. Ils sont vraiment bons. D'habitude quand t'as des bots, je sais pas, allez, ça c'est le premier exemple qui vient à l'esprit, hein, mais t'as plein d'autres jeux. Il y a Fortnite qui vient à l'esprit. Bon, ils sont claqués hein, les bots sur Fortnite, on est d'accord. Mais vraiment sur PVZ, c'est incroyable quand même hein, les bots comment ils sont quand même plutôt forts. Hein. Parce que à chaque fois que je le dis, hein, c'est vraiment pas une blague hein, que vraiment les bots sont plus forts. Que certains joueurs qui vont peut-être débuter le jeu ou voire même qui ont du mal hein, sur ce dernier, c'est n'importe quoi quoi. Parfois les bots finalement faut plus les redouter que se dire ah il y a des bots tant mieux allez free kill. Attention hein, faut pas les sous-estimer. C'était pas un bot par contre hein. Non. Si mais si. What the fuck les bots. Calmez-vous les bots, calm down. Hey. Regarde, parce que là, il y avait le bon ennemi, c'était pas un bot et j'allais le tuer. Et derrière, t'avais du coup le pistopon en mode toile. Mais ils sont fous, ces bots. Je crois qu'il y a un bug de son là, en mode, ça fait des bruits bizarres. Bah oui, mais du coup, je meurs, forcément. Ça, c'est le truc qu'il faut... Ah, c'était pas un bot, cette fois. Qu'il faut éviter absolument, c'est de se faire animer quand t'as un diablotin. Parce que vu que le diablotin, il a pas beaucoup de vie, quand on te réanime, tu spawns pas full lag. Donc, ouais, t'es direct dans la merde. Surtout là, quand on est en conquête du gazon. C'est clairement pas l'idéal hein, de se faire réanimer. Ah, on est déjà à 9 kills par contre, ça monte très vite. Mais je meurs par des bots, honte à moi. Oh. Je me sens pas très bien du coup là d'un coup. Bon, moi on avance là. Hein. Ce serait tellement nice de l'emporter sur cette carte en attaque, ce qui n'est jamais, jamais une chose simple à faire. Hein, je vous le rappelle. C'est très compliqué de gagner sur Arpent Boisé en conquête du gazon. Très très compliqué. Enfin. Quand t'es côté zombie, hein, je précise, parce que côté plante, du coup, bah, forcément, en carverse. Mais arrêtez, mais j'allais me transformer en plus. C'est pas un bot, ok. Ça me rassure, hein, quand je meurs pas contre un bot, parce que... Enfin, waouh, hein. Mais ils sont camouflés, on dirait que c'est des bots, du coup, ils ont pas de skin, c'est pas juste. Bon, est-ce que, à un moment, je vais, du coup, réussir à me mettre en mode mecha, là, parce que là, j'ai voulu le faire, mais du coup, bah, non, on m'a tué bien avant. C'est la catastrophe, Ada, hein, laissez-moi me transformer, s'il vous plaît. J'ai envie de faire du carnage, moi, avec mon mecha. Mais bon, si je l'active trop tôt, après, il faut que je traverse toute la map. Hein. Je veux bien que le mode, il s'appelle vitesse et précision, mais on n'est pas non plus rapide que dans un mode normal. Donc, ouais, il faut quand même foncer dans le tas, mais avec tes propres moyens. Hein, c'est pas le jeu qui va t'aider. Bon, allez, normalement, là, le mecha, on va pouvoir bien l'utiliser. C'est mon mecha chaton, avec la petite queue. Miaou. Miaou. Oui, je sais très bien reproduire les miaulements de chat. Vous l'aviez remarqué. Alors, toi, bon ennemi, tu vas trépasser. Voilà. Non, mais arrêtez de vous mettre en votre tourelle, là, les pistopois. Hein. C'est pas que les bots, au final. Les vrais joueurs aussi qui s'y mettent. Hein. Bah, du coup, je sais pas si... Si, c'est bon, ok, j'ai eu l'assist pour le pistopois. Mais attends, du coup là je remarque finalement il n'y a que des pistopois et des bonnets de nuit dans cette game. Du coup il n'y a personne en fait qui prend... Merde, c'est qui déjà la troisième plante, j'oubliais. C'est qui la troisième plante dans le mode là, parce que celle-ci on la voit pas là depuis le début. Attends, il y a pistopois, il y a... Oh, j'oubliais. Il y a un trou de mémoire de ma part là. Sérieux, c'est qui la troisième plante là? J'oubliais, je l'ai cité pourtant avant hein. J'ai la connaissance de cette dernière, mais là je l'ai oublié. Attends, c'est qui? Et je te jure qu'il n'y a pas la troisième plante là dans le mode. Il n'y a personne qui l'a pris en tout cas dans l'équipe d'en face. Hein.
Stoppoi, bonne nuit. Faut que je réfléchisse à un truc lié à la rapidité et à la vitesse. C'est normalement sur ça que se base ce mode pour le choix. Ah, c'est rose. Ah bah si, on a vu des roses, mais au début. C'est vrai que là, on n'en voit plus par contre des roses maintenant. Parfait, on va arriver déjà du coup là à la phase... la phase finale. Il y avait pas lui par contre, attends. Oh dommage, je vais pas gratouiller l'assist qui vaut une élimination. Pistopola ici, il est mort. Je sais pas. De toute façon, on va partir, hein. C'est loin que tout va jouer, là, on a... C'est vrai qu'on a bien foncé, mais en harpant boisé, tu peux très bien foncer pour les premières phases, et après, la phase finale, c'est... Bruf. C'est raté, quoi, hein. C'est un échec. Allez, meurt, meurt, hop. J'ai un pauvre diablotin, je ne suis pas là pour les longues distances. Allez, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. On est quand même dans un mode de vitesse, donc... Pour remporter cette dernière phase d'arpent boisé, peut-être toutes nos chances. Ah bah tiens, une rose. C'est une vraie rose. Ah, j'en jure que c'est une fake, ça. C'est pas un bot, ça, je suis sûr. Ah non, c'était un bot, j'ai rien dit. Tout n'est que tout l'ompli. Tout n'est que tout l'ompli. Je vais mourir. Mais vas-y, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, encore derrière les plantes, là? Combien de kills? 17. Ok, pour l'instant, on est bien en termes d'élimination. On est premier, en tout cas, de notre équipe. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, les plantes? Je ne sais pas. Vas-y, les zombies, interceptez-les, hein. Faites pas les choses à moi. Du coup, moi, je respawn. Mais d'où je respawn ici, du coup? Bah attends, mais je suis un peu loin de l'objectif là. Ils sont en train de déjà transporter les marches mortiers, mais moi je suis à l'autre bout de la carte. En mode wouah, ça galère. Ah mais merci, heureusement qu'il y a des trucs d'ingénieurs. Faut aller plus vite. Et ils ont intérêt à spammer ça, les ingénieurs. Comme ça là, on pourra peut-être l'emporter. Hein. Allez, on fonce, c'est le moment. Bon là, on peut pas prendre de bombes, il y en a plus. Donc on va pêcher hein, les plantes, c'est pas grave. On peut également jouer l'objectif de cette manière, ça marche bien. Bah tiens, de toute façon, je regarde, je vais pouvoir peut-être... Ouais, avant, on va l'éliminer lui, par contre. Mais après, on va pouvoir reprendre la bombe. Ok, allez, on tente les objectifs. Mais là, imagine, en diablotin, mais avec le boost d'ingénieur, c'est vrai que tu peux quand même rejoindre vite l'objectif, hein. Là, il n'y a pas de boost d'ingénieur, donc... C'est mon diablotin et rien du tout avec. Allez, on se faufile. Oh putain, on va pas se faufiler loin, là, attention. Il n'y a plus de vie, là, de toute façon, attends. Bien joué! Allez l'allié! J'ai dit bien joué, mais un peu trop tôt! Bon, il nous a eu en plus avec le... Non, mais je croyais qu'il était mort, c'est pour ça que j'ai dit bien joué, mais en fait, non, il avait encore de la vie. Hein. Bon, je vais faire arrêter par ça. De toute façon, je serais jamais passé, ils étaient 20 000 là de ce côté. Faut peut-être aller à gauche, du coup. Là, on dirait qu'ils sont tous à droite. Hein. On n'a pas encore posé une seule bombe. Ouais, ça sent mauvais. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est tellement compliqué. Ils ont jamais changé ça hein, depuis la sortie du jeu. Ils ont jamais un peu baissé la difficulté quand on attaque sur cette map. C'est tellement chaud de gagner. Tellement compliqué. T'as tellement de chemin à parcourir, tu peux pas sprinter vu que... Bah tu transportes la bombe. Prends ce 3 hard hein, à chaque fois. Oh non, on l'a pas capturé dans... J'ai en plus, on va me tuer, voilà. Encore, je suis sûr que c'est le bot ça. Bot rose ou pas? Ouais, bot rose, voilà. Ils ont des shoots parfaits les bots, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai l'impression que nous on a... Ah si, on a des bots aussi, mais... Ouais, mais j'ai pas l'impression que nos bots sont aussi performants que les leurs. Hein. Eux, ils ont des bots, mais c'est des surbots. C'est pas des surhommes, du coup. C'est juste des surbots, mais... Et insane, le truc. Et on peut pas s'en sortir. Allez. On va essayer de pêcher. On a pas encore... Non, on a pas encore mis une seule bombe. Hein. C'est pas bueno du tout, ça. Je tire dans le tas là, mais je mets du dégât, c'est sûr, mais je tue personne. Oh, par contre, il l'a calé ça. Non, mais vas-y! Donnez-moi une assistance là, j'ai tiré sur tout le monde, j'ai mis 20 000 de dégâts. Et ça suffit pas. Putain, en face, ça se met bien. Hein. Ouais, mais tu vois, quand je te disais que du coup, les plantes ils étaient avantagés sur les zombies dans ce mode, je pense que c'est réellement le cas. Hein. On verra, de toute façon, prochaine partie, normalement, on est côté plantes. Donc, on verra la différence, mais quand il y a bon ennemi plus pistopois. Par rapport à des zombies qui sont plutôt normaux, voire pas très bons avec l'ingénieur, pour de l'attaque du moins, bah ouais, c'est sûr en fait que le rapport d'efficacité, il est vite vu, hein. Il est vite analysé. Bon là, il va y avoir encore toi son full, je suppose. Attends, on va essayer d'en capturer là. Allez, capturé toi. Voilà, allez, je m'incorpore. J'ai même pas la possibilité de m'incorporer. Hein. Et ça, c'est que des bots du coup. Je pense les 4 c'est des bots, mais tu vois. Ils sont tellement forts les bots que je pourrais même pas les passer pour aller jusqu'à l'objectif. C'est n'importe quoi.
Alors bon, j'avais prévu la défaite, mais là c'est quand même la lourde défaite parce qu'on va même pas réussir du coup à mettre une bombe quoi. Oh là là. Et vu que les bots, ouais, ils restent vraiment en fait sur le point. Donc eux, ils bougeront jamais, donc ils sont toujours là à te bloquer. Je vous ai dit, c'est pas nice de tomber contre des bots, hein. Faut vraiment les éviter, ces bougres. C'est les pires. Allez, 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 je mets encore des dégâts, mais ça me tue pas. Oh putain, je crois qu'il y en a un, il avait plus de vie. Par contre, là, il faut que je reste incognito, j'ai plus de vie non plus. Mais bon. J'ai eu le temps de me transformer. Tout ça pour me faire défoncer. Oh oui, c'est vraiment ça qui va se passer en plus. Oh là 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 là. Je fais démonter là. Tiens, toi je t'avais vu venir par contre à l'aveuglette là. Arrêtez ce carnage! C'est pas équilibré! C'est pas nice! C'est pas cool! Bon bah... Tu vois, moi j'avais joué côté plante justement à la première partie, après j'avais pas trop vu la différence, mais là par contre tu vois, pour ma première partie côté zombie dans ce mode, il me semble tant d'axe quand même hein. Là de toute façon on a tout intérêt à être côté plante cette fois pour la prochaine. Et sur l'île piège à touriste hein, s'il vous plaît, je croise les doigts, je veux mon île piège à touriste. Oh que oui, on la veut celle-ci. Je connais pas la rotation, il la change en plus souvent, donc bon là j'en ai aucune idée d'où elle est, l'île piège à touriste. J'espère que c'est la map qui suit là hein. Alors les scores, bon on a l'autre là qui a défoncé tout en face et tu vas voir, il va les bots ils vont avoir plein de kills aussi. Il y a un bot sur le podium, voilà. Mais est-ce que ça veut tout dire, ça? Ben oui, forcément que ça veut tout dire. Maître d'assistance, un bot, non mais... Non mais je rêve, il y a vraiment que sur PVZ que tu vois ça, des bots sur un podium de... d'efficacité, quoi. Aïe, aïe, bon, 1,80, ça a clairement pas été la game de l'année. On va dire que c'était la game des chauffes. Je termine comme premier de mon équipe, hein, après. Bon, tout n'est pas à jeter pour cette partie. Premier de mon équipe, plus d'élimination de mon équipe. Ben le problème, c'est que... aïe, 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 en face, les plantes, c'était costaud, hein. C'était très costaud. Allez, on va essayer de faire du beau jeu maintenant, rectifier le tir. C'est plante, hein, par contre. Hein. Il piège à touriste plus plante, imagine combo parfait, là. Allez, on croise les doigts, écran noir, vas-y, dégage, dégage, j'ai envie de savoir ce qu'il y a, là. Mets fin au suspense, là. Il y en a marre du suspense, on n'est pas là pour ça, nous. Eh, le chargement veut peut-être dire un bon truc, là. Peut-être qu'on va l'avoir, notre île piège à touriste. Ça charge autant. Peut-être un bon signe, tu vois. C'est vers pâturage. Et cette fois, c'est pas une feinte, cette fois, on va vraiment jouer dessus. Ok, très bien. Il y a peut-être l'île piège à twist après, vers pâturage. Hein. Au moins, j'ai eu droit à mon vers pâturage, je suis content. Ok, donc on prend le pistolet poids avec le... en orange, comme ça, le fameux skin ultime. Et là, on va voir, là, il n'y a pas de prétexte. Hein. Je l'ai dit, normalement, côté plante, on est avantagé dans ce mode. Donc là, on va voir si justement c'est le cas. Il n'y a que des pistolets poids, par contre, what the fuck. Une grande majorité de pistolets poids, ça c'est sûr. Et du coup, les bots. Oh! En face, mec, il y a que des bas level à part le mec niveau 500. Hein. Bas level ou bot? Mais les bots, ils me font peur! Par contre, du coup, j'ai perdu du temps là. J'aurais dû aller direct après shoot ici là. Pour les sniper un peu. Regarde, voilà, on va les sniper là. Oh, c'est des diablotins bots en plus, mais ils font mal! Ils me font mal, mec! Calmez-vous! Hop! Voilà, c'est bon, le snipe nous. Voilà, pour l'instant, en face, c'est que des diablotins, même si je crois que c'était que des bots aussi, mais il y avait là des diablotins. La tourelle, ça dégage. J'aurais aucune vergogne à terminer la partie dès la première... comment dire? Dès la première phase. Vraiment aucune vergogne. Mais oui, mais c'est ça, rien que tu vois, ce truc-là, c'est un avantage pour les plantes, parce que quand t'es un pistopois, tu défonces tellement facilement des diablotins, parce que les diablotins, bon, ils sont tout petits, et tu leur mets tellement de dégâts, ils ont pas beaucoup de vie. Donc rien que ça, c'est vrai que c'est un gros avantage côté plante. Hein. Le côté... En face, t'as un diablotin, et toi, t'es avec ton petit pistolet poids. C'est vrai que tu défonces tout, en fait. Hein. Même avec l'ingénieur, hein, y a juste la zone boogie qui est un peu tranquille, mais le reste, en fait, ils sont littéralement défoncés contre des pistolets poids. C'est pour ça qu'il y en a autant dans un sens. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi, là, c'est véridique, hein. Il y a même plus de doute, clairement, ouais, dans ce mode, les plantes sont avantagées. Bon, de toute façon, vous le savez, souvent, dans des modes comme ça, quand on a un nombre restreint de zombies, de plantes, souvent, t'as quand même une faction qui est avantagée sur l'autre, c'est jamais très équilibré. On n'est pas là, forcément, de toute façon, pour équilibrage. Mais ouais, regardez, tiens, un ingénieur qui danse, lui, il vient de faire son petit kill. Tout content. Hop, ça dégage, ça aussi. Allez, on va le cueillir, peut-être, avec le... Firepeter. Le diablotin bot. Tu me fais pas peur. Oh là là. Mec, c'est tellement free kill hein, quand t'es un pistopo comme ça contre un diablotin.
Bah, je crois qu'ils vont pas aller plus loin que la première phase, hein, vraiment. C'est comme ça que ça va se passer, là. Hein. Oh là là, il y a du kill, là. Oh, let's go. Le carnage. Ouais, il leur reste encore 3 minutes, mais là, ils ont rien fait pour l'instant. Je sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps ça fait que la partie est commencée. Allez, on défonce tout, là. Sans effort, en plus, hein. Vraiment, c'est en mode tranquille, hein. Tranquille pépère. Sans pression, la game. Ils ont encore closé une tourelle au même endroit, ici. Ça dégage. Attention, attention, j'ai 23 PV, là. Oh, s'écarte, on s'écarte. Ouh là là, on prend pas de risque, hein. Limite, j'ai pitié pour eux, là. J'aimerais bien les laisser passer. Limite. On pourrait leur laisser un peu... Ah, mais c'est vrai que je peux me mettre en tourelle, au pire, sur le côté, là. Attends, il m'a donné une idée. Moi, j'ai pas l'habitude de prendre la tourelle avec le pistolet, parce que je trouve que c'est plus dangereux qu'autre chose. Mais là, on peut se le permettre, en vrai. Regarde, je me mets ici. Ils vont sortir du... Oh non, copiteur. Ils vont sortir d'ici, et puis on va mitrailler comme jamais. Regarde, là. Hop, là. En mode Gatling, comme ça, là. Ça dégage, hein. Ça passe même plus sur la droite, d'ailleurs. Oh, regarde. Hop, là. Ah, c'est puissant, comme ça. C'est très puissant. Moi qui n'ai pas l'habitude de jouer tourelle. Parce qu'avec mes 15 munitions, je vais pouvoir faire un kill, par contre. Mais oui, bien entendu. Oh là 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 là. Alors dommage que les bots ça compte pas pour les séries d'élimination, parce que là sinon... Putain, attention, attention. On serait en sale série d'élimination, je pense, hein. Je sais pas combien je suis, mais... Ça a bien avancé. Hop. Oh, il met que des 14 de dégâts, lui. Très bon, on l'a eu. Ah, ouais, tu vois, parce que là j'étais encore en série de 7 et je fais combien de kills? Quoi? Non, 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 impossible. Quoi, j'ai 25 kills? Comment ça j'ai 25 kills? Oh, what the fuck. À aucun moment je pensais là que j'avais 25 kills. Putain, ça monte vite. Mais what the fuck. Genre là tu vois la partie elle continuerait, je pouvais partir sur du 50 kills easy. Nope. On en a tué des bots, hein, parce que du coup on était que en série 7 alors que j'étais à 25 kills. Ouah, donc sur les 25 kills, ouais, il y avait que 7 vrais joueurs. Ah, désolé, désolé, je profite peut-être un peu trop des bottes. Il se pourrait, effectivement, mais ce n'est pas volontaire, hein, pas du tout. Tu sais, au-delà de ma compréhension, là. Voilà, Zumbugi, là, hop, là, elle dégage. Ils prennent un peu, là, le pouvoir, mais tant pis, je laisse pas. Dommage, passé. Il y a des, surtout des vrais joueurs qui ont rejoint, là, non. Mais regarde, dans leur équipe, c'est qui les premiers? Il y a 3 bottes en premier dans leur équipe. Voilà, hein, encore une fois, les bots sont meilleurs que les vrais joueurs, c'est véridique. Ils sont même meilleurs que le niveau 500, là. Que les niveaux 500, il y en a trop. 3 niveaux 500 qui sont dominés par les bots adverses. Les bots de leur équipe, plutôt. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Bon, bah, hé, parti comme ça, on va peut-être finalement réussir à tomber sur ma petite île piège à twist, là, au bout d'un moment. C'est bon. Avec des games qui vont durer 5 minutes, même pas, ça peut être très rapide, hein. Sont là, ils vont pas passer, prolongation et tout, ça suffira pas. Ils ont perdu, c'est la défaite pour eux là. Attends, en une seule phase, je vais faire 30 kills. Oh là, même mon faillot péter, il en a fait un de kill là aussi. C'est bon, on a gagné là. C'est bon, c'est la victoire là. Oh, aïe 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 aïe, la défonçada surtout. Boum. Bah ouais, hein, les plantes légèrement avantagées, je pense, dans ce mode. Hein. Juste légèrement, hein. Pas grand chose, ça se voit pas du tout. Que non, t'inquiète pas. Easy peasy. Je crois que c'est la première fois que je l'emporte directement de la première phase sur Verpâturage. Mais même, ça arrive jamais ça sur la plupart des maps de gagner dès la première phase. Normalement, t'arrives au moins à franchir une phase, c'est le strict minimum. Oh, pas là, hein, non, là ça a été plutôt expéditif. Niong. Comme ça là. En doudou. Oh, je suis premier! Petit coup de guitare! Air guitare! 31 kills en une manche! C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi cette game. Et voilà, t'as Rosebot qui est sur le podium aussi. 15-50 de ratio. Bra 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 bra. Bon bah là, vous savez ce qui nous attend, hein? L'ingénieur? Ah là, normalement, c'est l'ingénieur, hein? Oh putain. Alors là, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, mais je vous garantis rien en termes de beaux jeux. Parce que vous le savez, moi et l'ingénieur, ça fait deux. Après, peut-être que le jeu, il va être clément, il va me remettre côté plantain, hein, et il y a peu de chance. Tournant décisif.
Dans l'ancienne rotation des maps, normalement, après tournant décisif, justement, c'était l'île piège à touristes. Ça, je dis rien après, hein. Allez, de retour avec mon petit gros cul ingénieur. Hey, il a gros cul ou pas? Hey, il a gros cul, hein. Hey, allez, je mets le boost. En vrai, là, ça va, parce que du coup, on est dans une map défense pour les zombies. Donc ça va être plus simple de jouer ingénieur que si on avait été en attaque. Parce que là, il suffit juste que je reste sur ma position. Donc en vrai, ouais, ça va. J'ai eu plutôt de la chance. Si on avait été dans une map de conquête du gazon où les zombies étaient en attaque, avec l'ingénieur, c'est beaucoup plus délicat pour alors. Là, je pense que j'ai moyen de sortir ma petite épingle du jeu. Je sais pas combien de temps ça fait que je vous ai pas proposé du gameplay avec l'ingénieur. Bah, je crois que c'était lors du festival de décembre, là, où justement on avait débloqué ce skin. Je crois que depuis, j'avais pas fait de gameplay avec. Hein. Par contre, il y a que des ingénieurs là où je rêve. Il y en a beaucoup trop. Je crois que c'est des bots aussi la plupart. Hein. Vas-y, on va faire le sadique, on va avec une toile ici direct. Là, on va les bloquer, nous. Hein. On n'est pas là pour laisser filer. On est des défenseurs avant tout. Hein. Allez, ça mitraille, là, ça mitraille. Là, attention. Oui, le premier kill avec l'ingénieur. C'est un bot ou pas d'ailleurs? Je sais pas. Ce n'est qu'un détail, toi, son bot ou non. C'est un kill. Un kill reste un kill. Surtout avec l'ingénieur. Oh, mais arrêtez par contre, il spamme les trucs pour nous chevrifier là, les roses. Je peux me mettre ici, position un peu défensive. Oh, ça arrive là, je les vois venir. Hein. Ouais, attends, je peux même les rusher peut-être sur le côté. Hein. Avec un peu d'audace. C'est des roses hein, surtout là. Ah, il y a un pistolet quand même là-bas. C'est un bot. Mais les bots, moi, en étant ingénieur, ils vont me fumer. Hein. D'ailleurs, je fais même pas de fuel en plus. C'est bon. Ils vont me fumer, donc faire gaffe. La rose, là, elle a plus de vie. Allez. Ah bah, je crois que... Ouais, c'est bon, je suis l'assiste. L'assiste qui vaut comme une élimination. Là, de toute façon, s'ils viennent, je suis prêt à les arroser. Hein. En plus, il y a la petite plante. Plante grappante du mordeur. Allez, hey, on enchaîne pour l'instant. Ça c'est un vrai joueur par contre. Oh là, tire en clochette. Eh, hey, regarde, on défense finalement, ça passe bien là l'ingénieur, mais oui. On est bien là, non? Ça va encore partir sur une game qui va s'arrêter dès la première manche, ça va pas aller plus loin. Et il faudra faire attaquer les pauvres. Eh ben ce n'est pas de ma faute. Eh, hey, débrouillez-vous aussi, mais jouez mieux, mais débrouillez-vous. Mais en vrai là j'aimerais, même si je suis avec l'ingénieur, j'aimerais bien, parce que pour l'instant ça se passe bien en plus. Mais j'aimerais bien que ça continue là. On s'arrête pas déjà dès la première. La première manche. Hop. Putain, aujourd'hui n'empêche, il y a beaucoup de bots hein, je trouve. C'est full bot, limite. Bon, attends, lui s'il est dans les parages, on va essayer de l'intercepter. Non, il est pas dans les parages, il a dû retourner en arrière, je sais pas. Ah non, il est là. Oh putain de merde. Ah bah il est mouru. C'est bon, il est mouru. Tout va bien. Oh attention, pistolet au poids. C'est bon. Ah non, assistance, genre. Genre j'ai une assistance là-dessus. Bon, on est déjà à combien de kills là? Putain, 12, hein. Eh, ça monte vite. Autant qu'avec le pistolet au poids, ça... C'est insane le truc. En même temps, regarde là, tu tires à l'aveuglette dans le tas, et t'es sûr de toucher, hein. C'est pour ça que l'ingénieur, c'est vrai que dans des situations pareilles, il est très puissant, hein. Sauf que ça, bah, tu vois, c'est que quand t'es en conquête du gazon en situation de défense, hein, sinon ça se présente pas trop, hein. Mais là, regarde, j'ai qu'à spammer, voilà, je bouge pas d'ici, je suis avec ma toile à côté, et je spammer un, je spammer un, je spammer un, et ça va passer, de toute façon. Forcément que ça va passer les tirs. Non, regarde. Non, on m'a transformé, on m'a chévrifié, hein. C'est bon, on a la strat, là. Remets-moi vite, là, en ingénieur, là, j'ai du spam à exécuter, là. Merci. On va me retransformer, par contre, je vais pas apprécier. Non, 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 non. Une fois en chèvre, ok, deux fois c'est trop. Arrêtez! Limite c'est des bots en plus qui font ça là. Oh là là, quel carnage. Quel carnage et quel plaisir en plus. Regardez! Je me mets derrière ma tourelle, là j'ai l'angle de tir parfait. Voilà. Moi ouais, sinon vous ça va? Moi ça va très bien, je spam, c'est tout. Ah j'ai par contre l'impression que mes tirs sont peut-être un peu arrêtés, non? Je touche plus personne. Ah c'est bon, ça recommence. On retouche. Oh là, attends, j'ai fait une triple. Bonne nuit pistolet, pas bonne nuit, ouais mais c'est que des bots du coup hein. Donc ça me fait pas de série d'élimination. Donc peut-être même hausser tu vois le tir un peu plus haut là. C'est nimp, c'est vraiment nimp, ils passeront jamais là hein. Là c'est impassable hein. Comme je suis placé, ils peuvent rien faire le pauvre. Regardez. Hop là. Ah on est que en série de 5 hein, donc là je tue une multitude de bots. On a combien de kills? Pas 34 kills.
Oh, 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 toi, t'es pas au bon endroit, voilà, hein. T'es un peu désaxé, là, tu dois passer par là, normalement. Oh, regarde ça. Oh là là, mais c'est insane. J'ai rien dit, ingénieur, c'est le meilleur perso, en fait, hein. C'est le meilleur perso ever, l'ingénieur. J'ai complètement changé d'avis, là. J'avais mal jugé, là. Non, mais quelle erreur de ma part. Regardez ça. Lalalalala. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de se réanimer entre eux, donc quand je tue quelqu'un, bah, il meurt. Et après, t'as l'ami qui essaie de le réanimer, donc lui aussi, il meurt, et puis ainsi de suite. Ça fait effet domino. Limite, là, j'en ai marre d'appuyer sur R1, je spam trop, là. Dommage, hein, ce serait trop cheaté en même temps, mais dommage, ça compte pas pour essayer d'élimination quand tu fais un bot, hein. Et que ça donne que 25 XP aussi, donc sinon, là, je serais à 30 XP comme un fou, mon ingénieur. Parce que là, 25 par 25, c'est un peu léger. Allez, hop, ça va faire un kill, là, je le sens, non. Déjà, il faut pas mettre ma toile, ça va, elle a disparu. Ouf, il me transformer. Et on se remet dans l'axe. Là, normalement, c'est bon. Hop, 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 par contre, attends. Il met des dégâts, là. La tourelle, en plus. Qui a osé? Qui a osé détruire ma sainte tourelle? Hop, allez, un petit kill. Ça faisait longtemps. Mais c'est bon, il y a un, il en a mis une ici, donc on est de retour bien axé. Allez, hop. C'est naf, hein. Je sais pas à combien de séries d'élimination là on serait si les bots ils comptaient, mais on serait à... Franchement, on est à combien de kills? On est à 52 kills en une manche. Ouais, donc bah ouais, on serait au moins minimum, hein, grand minimum, à une série de 30. Mais alors vraiment, je pense qu'on peut même aller à 40, hein, en estimation. J'ai mis 76 de dégâts, je sais même pas d'où ça sort, ça. Oh non! Putain, il y avait un feu, j'ai même pas vu. Je l'ai entendu exploser, mais pour l'heure c'est déjà trop tard, mais je l'ai pas vu. 55 kills. Alors déjà, atteindre les 50 kills en conquête du gazon, c'est pas tout le temps que tu le fais, mais alors le faire en une seule manche, en même pas 5 minutes du coup, alors là ça relève de l'exploit. Oh putain, n'importe quoi cette game. Mais non, mais l'ingénieur il a tout soulevé là, il a vraiment tout soulevé. Je suis prêt à faire une autre game avec l'ingénieur, même si là je pense qu'on va repartir côté zombie, donc je vais prendre le pistolet poids, mais... Je suis prêt, hein. Ouais, s'il vous plaît, là, pour la quatrième map, tellement qu'on les enchaîne rapidement, là, j'aimerais bien... C'est la dernière chance, de toute façon, mais j'aimerais bien un lead piège à twist. Pour ma petite dernière chance. Oh là là là, le méga. Le méga fantôme. Regardez ça. 55 kills. Ils vont se dire, en face, c'est dans mon équipe... 55 kills, attendez, mais c'est un bug, là, comme il a fait lui. Comme il a fait ce bougre. Oh, peut-être un peu abusé du jeu. 55 de... Ah oui, donc je suis mort qu'une seule fois en plus. Parce que j'ai 55 de ratio, je suis mort une fois, oui. N'importe quoi. Bah du coup, j'étais en série de... J'étais en série de 50 en fait. J'étais pour série de 30 en comptant les bots. Ah ouais, bah, c'était ma première mort là à la fin. Ah, j'avais même pas remarqué. Non, c'est quartier péchu. RIP. RIP, l'île piège à touristes. Oh, tu me manques. Bon, piste au poids. Piste au poids, piste au poids. Je m'en fous, je regarderai quand même pour la prochaine partie ce que c'est comme map. Tu sais, dans le bénéfice du doute. Ça, on pourra peut-être la faire. Alors, bon là du coup on est en défense. Imagine, on va encore les bloquer. Normalement là, non, ça va avancer, je pense. Hein. C'est compliqué quand même de pas réussir à attaquer dans cette map lorsque t'es dans la première phase. Faut vraiment le vouloir quoi pour pas y arriver. Mince par contre. Ah, je me suis trompé, je suis pas sur le bon toit, c'est celui-ci. C'est bon, je passe. Voilà, ok, là on est sur le bon toit pour les sniper quand ils vont sortir de la gauche ou de la droite. Je suis prêt. Interception incoming. Allez, venez, venez, je vais vous cueillir, moi. Allez, venez. J'ai beau être une plante, je peux cueillir. Taillot. Je pré-shoot, j'ai vu personne, je m'en fous, je commence déjà à tirer. Ah, mais regarde, ça sort en même temps. J'ai raison. Que des ingénieurs bots pour l'instant. Que des bots tout court en fait. Bon, aujourd'hui c'est vidéo contre des bots, hein. C'est bizarre, mais regardez, what? La flemme de quitter cet accueil pour lancer un autre. Si je relance un autre, sûrement que oui, je tomberai avec plus de vrais joueurs. Mais là, ça quitte en fait à chaque partie. Parce qu'à chaque partie, il y a des vrais joueurs qui rejoignent. Mais après, ils quittent. Donc à chaque fois, on se retrouve à deux en fait, une fois que la partie elle est relancée. C'est pour ça en fait le problème, hein. Ouais, regarde, hein, parce que là, en face, bon, en face, il est tout seul. Et nous, on est deux dans notre équipe. Aïe, 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 hein. Je suis tombé dans un accueil, mais il est plus vide. C'est triste, quoi, le truc, c'est triste.
Mais là, je peux pas quitter parce qu'après, je vais retrouver sur une rotation qui va être cassée, du coup, qui va me permettre de rater à coup sûr l'île piège à twist. Je la veux, donc. On maintient ça, c'est pas grave, on joue contre des bots. C'est mieux de jouer contre des bots que des mecs bas level qui viennent de commencer le jeu. Je le répète une énième fois dans cette vidéo, bah ouais. Ils sont tellement plus forts. Hein. Rien à voir. On va les sentir passer finalement tous les bots. Hein. Attention, la peur est présente pour moi. Pour l'instant ils viennent pas trop en tout cas, c'est sûr. Ok là. Oh t'es chieuse là, Zumbugi, mais regarde, un bot qui fait ça quoi. Il fait des vraies techniques de vrais joueurs, c'est pas possible. Aïe. En plus si tu m'envoies ça. Non. Les bots. C'est un bot ça, on est d'accord? Oui, 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 mais oui, on les reconnaît. Ils sont trop forts, c'est pour ça qu'on les reconnaît. Aïe aïe aïe. J'ai pas envie de toute façon d'aller plus loin que cette première phase, donc là faut vraiment qu'on arrive à défendre. Hein. Faut tout faire pour défendre, mais faut pas que les bots s'en sortent. De toute façon, je sais pas si un bot, ça, cette faculté d'être bon en capture d'objectif là, je sais pas. Si bien, non, il capture pas trop l'objectif, donc le seul qui pourrait le faire, c'est le mec en face. Oh, y a plus que des bots en face. Mais what? Mais ouais, y a vraiment tout le monde qui a quitté ce nimp. C'est totalement nimp. Ouais, bon, au moins, tu vois, là, on est sûr que dans 4 minutes, normalement, c'est la fin. Hein. Pourquoi je tire sur la rouge? Je ne sais pas, j'ai quelque chose contre rose, moi. Mais voilà, plus personne, c'est vide de chez vide. Ça va quand même rejoindre, je pense, à un moment. Hein. Mais ça va rejoindre, les prochaines parties, ça va quitter à nouveau, et ainsi de suite. Hop. On aura peut-être pas beaucoup de kills hein, pour cette partie. C'est un peu plus compliqué. Hop, ça. J'ai même pas eu la double, là, je crois, en plus. Oh, l'arnaque. Non, on n'accepte pas. Alors ça par contre ça peut faire du dégât le Firepeter, là il y a du monde. Les ingénieurs. Il y avait du monde. Ah ça commence un peu à join, deux en face là. Faut pas les laisser capturer hein. Non. Vous n'allez point faire ça, hors de question. 2 minutes 40 encore à tenir hein. Après de toute façon si c'est pas il est piège à twist, c'est vraiment que je suis maudit hein. Il y aura pas d'autres mots. Mais j'ose espérer que ce sera ça. Allez, j'ose. Osez dans la vie, osez. Non, ouais, ça commence un peu à se rapprocher dangereusement là de l'objectif. C'est même dessus en fait, l'objectif. Oh putain. Ouais, bah je crois que les bots ont la faculté de capturer. Hein. Je crois qu'ils sont aussi bons en capture qu'en kill. Je crois qu'ils sont vraiment trop bons en kill. Aïe, et il y a quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît, je me fais un peu voir. Me faire défoncer moi. Vite. Ah non, même pas le temps. J'ai laissé deux zombies low life de je sais pas quoi. Mais... Oh, regarde lui, il était tellement low life, c'était un vrai joueur en plus. J'avais bien deviné en le voyant en même temps. Hein. Lui, c'est sûr qu'il avait pas un skin de mec par défaut. Zombie par défaut. Putain, ils vont le capturer du coup. Bah ouais, mais mes bots là, ils sont pas bons en défense. Hein. Ils sont pas bons du tout. Quelle catastrophe. Et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Et ça ne devait pas arriver. Oh non. Au moins on a tué là le vrai joueur, là, l'ingénieur. Ah mais maintenant faut l'arrêter à la prochaine phase, mais oh, ça va être compliqué aussi la prochaine phase quoi. Hop. C'était maintenant ou jamais, maintenant trop tard quoi. Ah ouais, c'était avant là pour les arrêter. Inarrêtables qui vont être les... Oui, 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 les zombies. On se casse. Il y a le vrai joueur là, il y a le vrai ingénieur. Il va me saucer, tu... Ouais, là, là. T'es un château toi, parce qu'à chaque fois, il te reste vraiment plus de... Regarde, à chaque fois, il a toujours le même nombre de PV là. C'est-à-dire un PV. Donc, c'est rageant, hein. T'as un peu trop de chance toi, à mon goût. Ça rejoint ou pas encore davantage? Non, pas vraiment. Deux en face, trois dans notre équipe. Le reste, c'est des bots. Ouais. Après de notre côté on le tue pas mal de fois aussi hein, malgré qu'on le laisse après un PV, on le tue après. Il y a la vengeance toujours qui arrive, faut juste être patient. Oh, toi par contre le diablotin de son méca, il va arrêter de faire le fou. De faire en plus des emotes. Et ça dégage. Je l'avais promis, ça dégage. Voilà. Mais il est encore là, et on l'a eu directos. Ça c'est un vrai joueur par contre. Incognito. Hein.
Incognito, le vrai joueur. Il va me défoncer à corps comme ça là. Ah, non, c'est bon. Je meurs quand même après, mais bon. Je réussis à l'avoir avant, quoi. Avant que le mal soit fait. Non, mais il y a pas mal de vrais joueurs là. C'est... Ah ouais, regarde, c'est bon, ça join, ça join. Délicatement, mais sûrement, ça join. Nice, ça. Mais ils sont traîtres parce que là, ils ressemblent quasiment tous à des bots là. Parce que même s'ils ont un petit accessoire, tu sais, un petit skin, mais ils se remarquent pas trop. T'arrives pas au premier coup d'œil comme ça à remarquer si c'est des bots ou non. Tu en voyant le pseudo, genre lui, regarde, il a pas d'accessoire, on pourrait croire que c'est un bot, hein, pourtant. Et pourtant, il va me saucer, j'ai peur en plus. C'est bon. J'ai eu le bon réflexe de là. Mais il aurait pu nous saucer. Reprenons un peu de vie là, hein, je vous propose. On est à combien de kills? 18 kills, allez, c'est bon. C'est bien une partie. Ah, par contre, ça c'est pas bien parti, je viens de le remarquer, mais ils sont sur objectif là. Non, on doit pas se. Oh, bon. Je sais pas combien ils sont là-dedans, mais je crois que c'est mort. En plus, j'ai raté mon prédicateur. Pour couronner le tout. Ouais, non, ils vont l'avoir. Hein. J'arrive trop tard. J'ai l'impression que je suis le seul qui peut défendre dans cette game, c'est un peu chiant. Ils sont où les alliés? Où êtes-vous les alliés là? Il nous faut des alliés, plus que présent. Hop. Dégage, je trouve. Dégage. Oh, c'est un vrai joueur. Regarde, ça, c'est un vrai joueur par exemple, et pourtant il est comme un bot. Comme un bot, le loulou. Pourquoi l'avoir appelé loulou, ça, je ne sais pas. Bon, bah, musée, peut-être qu'on va les arrêter. Non, mais c'est pour avoir espoir à chaque fois qu'on va pouvoir les arrêter, mais finalement, on les arrête pas. Bon. On pourra aller jusqu'à la dernière étape, hein. Limite maintenant autant elle laisser passer et la partie se terminera plus vite. Parce que là l'objectif de cette game c'est qu'elle se termine le plus vite possible. Et je pense du coup c'est plus rapide si je les laisse passer plutôt que si on essaie de les arrêter vu qu'on les arrêtera pas. Donc je pense que maintenant on va plutôt opter pour une défense inexistante. On laisse tout passer, voilà. Attends là l'ingénieur il a peut-être dû passer derrière le musée là, non? Je sais pas, j'en ai vu un. Ouais il est là. Il n'a plus de vie. Enfin, mal quand même un ingénieur là quand il te met bien les trucs sur toi là. Il y a moyen quand même de te trichotte, hein, facile. Et la zone boogie là. Hop là, c'est bon. Défendez pas, défendez pas. Hors de question de défendre. Et là, tu vois, ça va défendre comme des fous. Pour les laisser passer à 30 secondes de la fin. Ça, quel échec pour l'or. Énorme échec. Échec des plus considérables. Ouais, c'est bon ça. Le diablotin. Hop. Même l'ingénieur là-bas aussi, on peut le snipe. Hein. Ouh putain, j'ai pris. Ah non, putain, j'ai cru que je m'étais pris un gros dégât, mais en fait, pas vraiment. Il me reste encore 88 PV, donc ça va. Je me porte plutôt bien. Bah, tu vois là, si je devais maintenant donner un avis après avoir fait du coup plus de parties dans ce mode, je trouve que. C'est vachement bien, je sais pas pourquoi, mais je trouve que la sélection du coup des trois plantes et des trois zombies colle vraiment bien, et j'aime beaucoup ouais, ce melting pot de perso pour ce mode, ça passe très bien, voilà. J'aurais pas trop dire pourquoi, mais même si c'est pas forcément du coup équilibré vu que les plantes ont quand même l'ascendant, bah hein, ça reste pas mal du tout, hein. Du coup, c'est un bon mode sûrement pour jouer comme l'ingénieur. Enfin, on lui a calé. Oh, allez, hop, ça dégage. On lui a calé le Firepeter, mais en mode magnifique, quoi. C'était le drop. Hein. Oh, attention, là, ils sont dedans. Bon, là, de toute façon, on est parti pour les arrêter. Donc, peut-être maintenant, on va forcer finalement la défense. Hein. Puis, en vrai, je l'ai laissé pas trop passer là depuis le début de cette phase. Hop. Faut que je regarde ça d'ailleurs. Attendez qu'on aura un moment. Putain, mais est-ce que j'ai fait tous les défis de ce mode temporaire, hein? Défi de la semaine. Je regarde rapidement. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai tout fait. J'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était les défis, je les ai fait sans le vouloir. Hein. Hop. Là, il reste encore 3 minutes. Bon, 3 minutes, ça peut paraître long. Mais je pense qu'on peut les tenir en défense. Hein. Donc là, ouais, allez, on va essayer de pas les laisser passer. Et là, on snipe en attendant. Hein. En vrai, là, j'ai un bon petit endroit pour shoot. Hein. Un bon spot. Hein. Je cherchais le bon mot. C'est le bon spot par ici. Regarde, parce que là on les snipe. Toi non, tu poses pas ta toile comme ça. T'es cru. Je commence même à être peut-être en série d'élimination, même si je pense que j'ai tué pas mal de bots. Donc on fait quoi, non? Toi pas être en grosse série d'élimination en fait. Tout n'est que tout l'ampli. C'est qui me. C'est lui là qui me snipe, non? Ah si, c'est lui.
Hop là, bon ça c'était la tourelle donc on s'en fout. Mais regardez, il essaie de sniper derrière là. Ouf, oh le malin. Oh c'est malin ça. Oh non je vais mourir par contre, attention. Oh série de 8. Ok. Série de 8, bah je pensais que c'était moins du coup avec les bots que j'avais tués maintenant. Bon on va même essayer du coup peut-être passer par le côté là. Et prendre un revers. Ya yeah. Merde, mon petit fire opérateur a su à Zumbugi. Ah non, on peut passer. Elle était pas assez proche. Même là, ça peut être un bon spot, hein. J'ai moins de visuels, mais bon, ça fait de toute façon des dégâts de zone, mon pistopo. Donc, même si je suis pas forcément dessus, ça fera quand même des dégâts. Qui est direct, s'est mis en invulnérable. Oh, y a du monde là, par contre. Pratique que je sois barre derrière, du coup. Non, 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 non. Non. Aïe. Fuite, 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 16 PV, 56. Comment, quoi, comment j'ai récupéré des PV comme ça, moi? Ah, j'ai fait un kill, sans le vouloir. C'était une assiste en même temps, mais ok. Ça m'a redonné les PV au bon moment. Oh, lui, il faut le jarter, parce que sinon après. Oh non! Non, c'est les deux diablotins là, un peu trop. Qu'est-ce qu'ils foutent tous d'un coup là, se mettre en méca les diablotins? Il reste une minute en plus, c'est pas le moment de craquer, hein. Faut la réussir cette défense. Hop, parfait. Pour l'instant, ils rentrent pas dedans, hein, donc c'est bon, mais il suffit qu'il. S'ils y entrent et après qu'ils y restent, ce sera perdu. Là par contre je reste en retrait parce que j'ai plus de vie. Je peux me mettre peut-être en mode tourelle là sur le côté comme ça là. Normalement ils vont pas arriver par derrière pour m'avoir quand même. Ah si, si si si, c'est bon, réflexe. Bon ça peut arriver donc faudra quand même faire gaffe. Allez 30 secondes. Après il faut encore tenir la prolongation, c'est ça qui va être chiant. Mais allez ça passe, ça passe. Je vais y arriver. 20 secondes encore. Ah là il y a la. Oh il y a la statue qui me dérange un peu pour le shoot là. Faut bien voir. Par derrière c'est bon, il y a personne. Il reste encore 38 minutes donc c'est bon, je peux encore tuer au moins un ennemi avec. Tiens lui bah voilà. Hop. Parfait. Ça pour les dernières secondes on est en pleine mouvance. Allez maintenant faut les jarter là ces prolongations. Ne passez pas. Yes. Putain, lui on l'a tué au dernier moment, hein. Du coup il n'y a même pas eu de prolongation. Magnifique. Magnifique. Donc la dernière chance, si c'est une piège à touriste, parfait, sinon bah tant pis. Si c'est une piège à touriste, par contre la vidéo elle va durer longtemps. Hein. Et même sans, elle durera longtemps. Bruh. Ah mais j'ai bien kiffé, c'est pour ça aussi. C'est la principale raison. Bah, j'ai dû avoir pas mal de kills au final, tant. Combien de kills? Bon, on est premier, ça c'est nice. Mais avec combien de kills? 46 kills. Bah regarde, on a moins de kills qu'à la game d'avant. On a fait qu'une seule manche avec l'ingénieur. C'est triste. C'est tellement triste. 657 de ratio. Moi je la sens bien. Il la piège à Twist là. Je sais pas pourquoi mais je la sens bien. Moi je pense qu'il y a de l'espoir. Oh, on a tout carry par contre là en termes de kills. Waouh. Waouh. Puissant. Hein. Attention. Attention! Eh ben non, fin de vidéo. Ça veut. Est-ce que ça veut dire du coup que. Oui, je crois que ça veut dire qu'elle est après Ravinguant. Je crois qu'après on a fait toutes les maps, non? Oh la tristesse! Ah, on était pas loin! On était pas loin de l'île piège à touristes. Mais on l'aura pas eu du coup. Point, 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 point. Une prochaine fois en conquête du gazon, j'espère bien. Ah oui, naturellement. Bon bah voilà du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Si ça a été le cas, bien entendu, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, de commentaires et de partages. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Naturellement. Bon là, de toute façon, c'était la dernière vidéo de ce festival. Donc la prochaine vidéo, ce sera la présentation du nouveau festival, donc celui d'août. Et puis peut-être d'un nouveau mode qui va avec. Potentiellement, je ne sais pas. En tout cas, sur ce, je vous dis bye. Tout le monde. Oh yeah.